Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve encore sur Tomb Raider. Donc là je suis arrivé, j'ai bien avancé. Donc là j'ai tout fini quasiment, les archives inondées à 100%. La vallée géothermique, il me reste juste la scientifique là qui à faire. Mais je pense qu'à un moment donné il va y avoir un tombeau. Je pense, j'espère. Où j'ai oublié un tombeau au passage? Non, bah non, j'ai tout fini à 100%. Donc voilà, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Donc là, on va avancer. Et on va continuer l'aventure. On va voir ce que ça va donner. Donc là, je suis sur le niveau qui s'appelle le chemin des immortels. Donc, ah, je m'attends au pire. Attends, de la bagarre. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est magnifique. Une petite capture. Alors, on va voir ce que je dois. Donc, il y a une relique. Un défi. Une relique et un document. Il n'y en a qu'un. J'entends marcher, on dirait des soldats. Ouais, on dirait que ça va pas marcher. Ah, ils ont repris la recette qui a fait le succès du premier. Et ça va être chaud. On se prépare à combattre les trinitaires. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as du bol. Accroche-toi. Yes. Ça s'est carrément écroulé. Oh là là, les couleurs. Magnifique. Oh là 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 là, c'est beau. Juste les couleurs et tout là, c'est extra. Ah. Petite capture. Hein. Bien chaud là. Putain, mais c'est magnifique. Ah.
Là, je vais prendre arme automatique. Je pense que je suis bon là. Non, mais c'est bon. On est parti. On va aller à la bagarre. J'adore. Ils sont si nombreux. Je laisse ces notes à celui qui aurait l'infortune de marcher sur mes traces. Mes blessures sont plus graves que je ne le pensais. Elles ne guériront pas. Ce soir, je ferai une dernière tentative pour m'évader de ce tombeau de glace. Je doute d'en avoir la force. La source divine est là, au sommet de la plus haute tour. Mais elle est hors de ma portée. Grâce à la source, l'armée d'immortels du prophète est invincible. C'est une armée de spectres et de démons incapables de mourir. Un pied de nez à l'encontre de la création. Ils n'ont plus rien d'humain. Et ils vaincront quiconque se dresse sur leur chemin. À chaque mort et à chaque renaissance, ils apprennent. Ils s'adaptent. Si la Trinité parvenait un jour à se l'approprier, je crains que le résultat soit le même. C'est clair. Peut-être vaut-il mieux qu'elle reste perdue à jamais. Ça veut dire prépare-toi pour la bagarre. Ouais, mais j'ai tout. J'ai pas tout à fond. Mais... Ils ont même des. Merde! Il a même pas vu ma main.
Je m'en doutais. Allez, crève. Putain. Oh putain. C'est super intense! Putain, ça donne un fond des munitions. J'adore. On va en prendre un maximum. Putain, ils ont du stuff à fond. Les faire à l'arc. Oh, 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 mais ça va être galère. Ah ah. Putain, j'ai usé beaucoup de... On va aller faire un giggle. Voilà.
là il y a du feu de réseau et tout. Oh oh oh! Tranquille, je suis content, stable! Putain, je vais me faire la tête! Ah là là, c'était intense! Mais j'ai kiffé! Bah non, il y a des trucs à explorer là. Non, bah attends, on va d'abord explorer. C'est quoi ce point d'intérêt qu'il m'a mis là? Putain, il y a plein de trucs. On va récupérer déjà un maximum. Ah, j'ai kiffé. Putain, les immortels, ils sont extra. Ah merde, oh, tu peux pas. Ils viennent de là, pourtant. Avoir avec les là-dedans, j'aurais dû monter. Bah, j'étais tenté, j'ai pas eu le temps de faire demi-tour. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on continue. Mais j'adore. Ouais, j'en ai besoin de plus un là. Oh, je suis à fond. Peut-être pas le faire. Est-ce que c'est sur tout le niveau? Je sais pas. Ça. Bon, on va regarder avant s'il y en avait pas. Je peux pas ramasser le butin. Il n'y a pas l'air d'en avoir là. On va vérifier. Vite fait. On va se refaire un maximum de trucs. Parce que je vais en avoir besoin. Parce qu'ils sont. Ils sont bien costauds. Et c'est intense, j'adore. Je vois pas, j'en ai allumé un. Ah, c'est celui-là. Donc, voilà, il n'y a pas l'air d'en avoir. On va continuer. Ah, si, il y en a là.
Ah si, il y en a là. Là, il a bien voulu le prendre. Ah, c'était une flèche. Bon, on verra, il y en a peut-être après. Putain, les feux grégeois, les flammes bleues comme ça, c'est ultra. Ça c'est réglé. Putain, faut que j'utilise mes balles Doom Doom. Général, un événement étrange s'est produit cette nuit. Nous campons au-dessus de Kitej tandis que la cité se prépare pour l'invasion. Ils pensent toujours que l'assaut viendra des hauteurs. Ils ne s'attendent pas du tout à ce que vous attaquiez par le col à l'autre bout de la vallée. Mais je dois vous prévenir. Sur la tour, au cœur de la cité, une chose d'un autre monde nous attend. Sous nos yeux, des centaines de chevaliers en armure ont gravi ces marches. Puis, une lumière a déchiré le ciel. Un bruit a glacé le sang a retenti. Comme le rugissement d'une armée de fantômes affamés. Ensuite, les soldats sont redescendus. J'ignore ce qui se cache en haut de cette tour. Nous pensions qu'il s'agissait d'un trésor, mais c'est tout autre chose. Vraiment étrange. Il y a des éléments de style Sith, mais ça ressemble à... Non, impossible. Nous avons fermé les portes et bloqué leur accès. Les cavaliers arrivent. Et je dois protéger ces gens de mon mieux. Des femmes, des enfants et des vieillards, comme moi. Ceux qui ne peuvent pas se battre. Je dispose d'assez d'eau et de nourriture pour subvenir à nos besoins pendant toute la durée de l'attaque. Si les Athanatoï venaient à échouer,
et que l'assaut se transformait en siège, nous mourrions ici. À cet effet, j'ai prévu suffisamment de belladone pour procurer une mort douce aux plus jeunes. Prions pour que nous n'en arrivions pas là. Les shaders et tout.